Avoir un compte Instagram certifié avec une petite coche bleue, ce serait chouette, non? En tout cas, ça renforcerait sérieusement votre crédibilité auprès de vos fans. Alors, je m'appelle Pascale Béga, je suis Community Manager freelance et formatrice. Je propose des formations en ligne concernant les réseaux sociaux et je me propose de vous montrer comment on fait pour avoir un compte certifié. Allez, vous venez, on y va! Vous allez cliquer sur les trois petits traits du menu, puis dans Paramètres. Là, vous allez chercher « Demander une vérification » et remplir votre nom et votre prénom après avoir lu les instructions d'Instagram. Vous voyez que Instagram énumère les pièces d'identité que vous pouvez joindre ou les documents officiels de votre entreprise. Vous pouvez les récupérer soit en prenant une photo, soit depuis votre galerie ou votre photothèque. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas ma photo de carte d'identité. Et il vous suffit ensuite, quand vous avez sélectionné le fichier, d'envoyer le tout. Votre demande est faite. Alors voilà, la fin de l'aventure, c'est que je n'ai toujours pas de compte certifié par Instagram. Probablement que je n'ai pas suffisamment de notoriété. En tout cas, peut-être pas suffisamment de fans. Alors si vous voulez m'aider, je vous invite à venir liker mon compte Instagram. Peut-être que j'arriverai enfin à me faire certifier grâce à vous. Merci d'avance. Bon, sinon, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse faire, vous savez comment on fait. Et si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est toujours plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !